OK, mes mots à moi-même. Là, là, les pailles, ils devraient être réutilisables. OK, parfait, vous voulez utiliser des pailles, pas de problème. On va utiliser des pailles. On va utiliser la même, OK? Parfait. Donc, la même paille. Affigée, identifiée. Personnellement, à chaque personne. Oui, c'est ça. Donc, chaque paille serait différente d'une personne à l'autre. Chaque personne pourrait modifier sa paille et la mettre comme un téléphone iPhone, comme les téléphones, n'importe quel. Hein, comme les téléphones, tout le monde a un cover personnalisé hein, et peut mettre même leurs photos personnelles pour leur... bon, je cherche mes mots, là. OK, bon, ta page principale. OK, fait que chaque paille devrait être affichée. Chaque gourde pourrait être aussi personnalisable. Par exemple, on écrit quelque chose dessus, on met quelque chose par-dessus, puis bon, le mémo, il reste toujours, la photo, la ci, la ça, le petit morceau de papier qu'on met dessus pour identifier que c'est le nôtre. OK, donc si on est entre amis, ben c'est pas toute la même bouteille d'eau de la même couleur qu'on prend une gorgée, puis après ça, on n'est pas sûr de boire encore dedans parce que si on sait pas c'est qui a goûté. Fait que non, ça arrivera plus. Non, ça c'est fini. OK, fait que là, ça va être chaque gobelet personnalisable, chaque paille aussi. Tu sais, quand t'as fini, là, tu peux juste la rincer à l'eau, là, puis tu sais quoi, tu peux la réutiliser encore. Ouais, ouais, hein? C'est le fun de la vie. Parfait. Et là, on va faire ça. OK, toi là, OK, chaque matin, tu vas prendre encore le même burrito, blablabla, blablabla. Elle, là, elle pourrait te le donner, la fille, là, comme genre, avec des grosses pinces, là, elle a peut-être de la misère, elle a peut-être l'échapper. Fait que, des grosses pinces, là, puis elle te donne la sandwich, mais dans ton sac réutilisable que tu as lavé la veille, parce que de toute façon, tu sais que c'est répétitif, à tous les jours, tu vas le manger dans le brido, dans un rôle bloqué d'un esti de sac en plastique. OK, fait que là, ça suffit. OK, faut être un petit peu intelligent, OK, parfait. S'il faut en fumer un, fumez-en, si ça vous allez me moquer parce que ça fait penser deux petites minutes. Ça donne le temps de réfléchir deux petites secondes. Mais dis pas de fumer, c'est pas bon, là, mais bon. Peu importe. Ce qui est important, là, c'est de trouver les solutions. Trouver les solutions, ce qui va faire en sorte que peut-être justement elle aurait besoin de fumer parce qu'elle va être heureuse, ouais. Je serais pas obligée de me geler pour pas voir ce dégât-là. Tu comprends dire que depuis que je suis jeune, moi, c'est le même. OK? Je comprends pas la société. OK, on met une sortie dans une entrée sur l'autoroute. Ouh, c'est qui le cap qui a pensé à ça? C'est sûr que j'allais faire du trafic. Allô? Bon, parfait. OK, là, on va se concentrer sur le plastique. OK, check bien ça. Tout devrait être en vrac. Tout doit être en vrac. Ça veut dire, moi, j'arrive, là, regarde bien ça. Par exemple, moi, j'ai un exemple même simple, check bien ça. Moi, là, j'aime ça, burn up nut, OK? Bon, ouais, je devrais le faire naturel. Ben oui, mais qu'est-ce que tu veux? Moi, je suis bon, comme ça. Puis, bon, c'est moi qui choisis de me... auto-tuer avec tous les ingrédients qu'il y a dedans. Un jour, mais je suis tannée, je vais le faire mon propre beurre de pinot, OK? S'il n'est pas trop tard. Mais admettons, donne un exemple. Va au magasin. Voilà mon beurre de pinot, OK? Mais quand il est fini, le beurre de pinot, là, je suis pas la seule au Québec à en manger. Il y en a en Grèce, la gang, il mange le beurre de pinot. OK, parfait. Regarde-là. Pourquoi qu'on pourrait pas juste comme garder le même? Ben, admettons qu'il serait comme... En vrai, mais c'est encore sur place de gamme, mais ça, ça les des produits chimiques encore. OK, fait que là, maintenant, je garde le même pot, puis je m'en vais au magasin. Ou prendre une bière. On en met dedans. OK? Là, je m'en retourne chez nous avec le même pot. OK? Tain, on lave la vaisselle. Ben, les pots devraient être lavables aussi. Puis on réutilise. Tu mets ça. Un autre exemple, super bon en plus. Ben, on en achète-tu de ça? Ben, on coupe des arbres, toute l'inquiétude. En tout cas, il n'y en a pas de problème. On n'a pas fini, nous autres. Nous autres, on va être là pour une éternité. Mais sauf que les arbres, là, la nature, elle est pas là pour l'éternité si on la magane à cette vitesse-là. OK, parfait. Fait que ça, là, OK, check bien ça. Là, deux minutes. Vous êtes encore capable de l'ouvrir comme dans le bon vieux temps. Tu sais, dans le bon vieux temps, là, où est-ce qu'on l'ouvrait facilement? On avait juste ouvrir ça de même. Chut! Si t'étais assez wise, tu le reculais, ben comme faux. Si t'étais poche, tu le mettais à moitié, hein? Ben, c'est ça. Ben, là, t'avais de la merde. Là, tu en tirais dessus, ben, ça déchirait tout croche. Si tu le mettais ben comme faux dans le fond, puis tu appuyais en tirant, ça marche. Puis là, tu sais quoi, à la fin, pouf, 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 tu baissais un petit peu dessus, OK? Fait que là, ça, là, ça sert à quoi, tabarnak? Il y en a plein partout! N'avez-vous fini? Ça, on paye pour ça. On paye des tailles pour ça. On paye plein pour ça! Parce qu'il y en a trop des innocents qui ont pas l'air l'ouvrir par la fente normale qu'on le faisait v'là 20 ans. On est supposé avoir évolué, Chris. Pourquoi t'as de la misère? Aïe, aïe, pourquoi t'as de la misère? Tu sais, comme par exemple, mes parents, ils pouvaient pas m'enseigner qu'est-ce qu'ils savaient pas. OK? Mais non, ils savent, là!
C'est à quoi ça sert, ça? Hein? Pour les 2 watts? Ben, c'est ça, au lieu d'investir de l'argent dans n'importe quoi, on aurait peut-être investi de l'argent pour rendre les gens intelligents. Ça vous tente pas un peu, intelligent? Passer les cours d'Harvard et me donner à tout le monde? Pourquoi avoir de l'argent pour être intelligent? Allô? Faut juste partager l'information une fois, acheter des livres à l'école à toutes les années. À chaque année, il y a des nouveaux élèves qui vont venir. Ça vous tente pas juste de changer les livres pour les anciens de l'année d'avant? Allô? Une paire de livres pour toute la vie. Non, ça coûte cher d'être innocent. Pas pareil. OK? Parfait. Il y en a plein de même, c'est sûr. Hé là, hein, c'est l'industrialisation. C'est le fun, pareil. Mais là, Mané, il faut que tu dormes là-dessus, tu marches là-dessus, tu manges là-dessus, les animaux aussi. Hein, pourquoi? Parce que nous autres, on est innocents. C'est ça. Hein, on va investir dans quoi, l'éducation? Oui, mais pas la nouvelle que vous donnez. Une vraie éducation. Ouais, les vraies affaires. Tu sais, dans le fond, on disait l'école de la vie, l'école de la vie. Bon, OK, je comprends, c'est quelqu'un qui a pas de diplôme. On s'entend. Non, il y a aussi que t'es dedans. C'est ça, l'école de la vie. C'est pas des assemblants, des on même pas pareil, tout est parfait. Ouh, on rit pas trop, on voit des rires. Non, c'est pas ça. Quand on rit aux éclats, on a des tabarnaks de rire. OK, c'est assez clair. Quand on est content, on est fauché. OK, parfait. Fait que là, on va revenir au plastique. OK, il y en a des bouchons. OK, mais lui, là, ça ne tentait pas de faire un point de même. Quand qu'on rit, fait les règles, qu'on rit. Fait la même chose, OK? Parfait, deux bouchons de moins. Pas la même affaire, parce que tu l'as déjà. Il a fallu juste une place comme pot pour qu'on puisse l'ouvrir facilement. C'est ça la vie. OK, parfait, on continue. Exemple, tiens, moi je fume. Tiens, pas correct, mais bon, on a tous nos petits défauts. Mais, attends, je suis responsable de mon défaut. OK? Comme par exemple, je ne ferai jamais mes botches de cigarettes à terre. Pourquoi? C'est pas une poubelle. Je la jette dans un cendrier. OK, parfait. Fait que moi, je m'occupe de mes affaires, mes cartons s'en vont dans récupération. Tu comprends-tu? OK? Je dis pas d'arrêter de consommer, je dis juste au moins aller le porter après l'avoir consommé comme quelqu'un de responsable, tu comprends-tu? Tu sais, nous autres, quand on fait nos besoins, là, on a une place appropriée qui s'en va à une place appropriée. Ben, tu sais quoi? Les poubelles, c'est la même affaire. Sauf qu'en plus, tu sais quoi? Notre merde, là, on devrait pas être même la laisser là, dehors. Pourquoi? Parce qu'elle, elle se régénère, puis elle sert quoi? Ça, le plastique, et ainsi de suite, sert à rien. Puis c'est nous autres qui l'a inventé. Fait que ça vient pas de la nature, nous autres, on vient de la nature. Ça vient pas de la nature. OK, parfait. Ah, de la nature, là, il y a de l'eau. Il y a de l'eau en masse, faut juste la récupérer comme un épais puis la purifier. On est content de la vie. Non, ça coûte cher d'être innocent, c'est pas pareil, man. OK, il y a une petite différence. Mais sans intelligent, là, tout est là. OK, t'es maison, on va continuer. On continue. Il y en a plein partout. OK, t'es maison. Là, nous autres, on dit, t'es maison, on est cave, hein. Ah, il y a plein de vaisselle, puis toute l'équipe, OK, parfait, il y en a pas un qui s'est dit, on vend un assiette, un verre, un ustensile, c'est le même pour toi pendant les 15 prochaines années. Je te disais, pourquoi? Ben, pourquoi il y en aurait 15? Tu sais, comme, mettons, quand tu prends une assiette, là, ben, mettons, t'arranges tout de suite, t'as mets tout de suite là-bas, là, t'en as besoin des 15 autres. Alors, mettons que t'en reçois pas tout de suite, ben, mettons que t'as un set exprès pour ceux que tu reçois. OK, bon, ben, le reste de ta vie, que tu reçois pas, là, pourquoi tu prends pas juste tout le temps la même assiette? Il y a moins d'eau, moins de savon, moins de temps perdu, plus de temps que ta famille. Ouais, au lieu de faire la vaisselle, comme un cas, faire la vaisselle, fais juste ta vaisselle. Moi, j'ai besoin de quoi dans la vie? Un bol, une assiette, une fourchette, un couteau. Let's go! Amettons tous les ustensiles que tu veux, il y a qu'une fois. Pourquoi qu'on en a 150, 1000 partout? Pourquoi qu'on prend notre temps à laver 15 verres différents? On était juste capable de laver juste le même dans le premier temps. Ouais. Wow! C'est incroyable. C'est pas fini, tout ce qui se fait en canne. Les cannages. Dehors, comme genre, tu sais, comme il y a des centres commerciaux où est-ce qu'on va s'approprier des choses, OK? Ben, il devrait y avoir des centres d'industrie qui nous livrent, qui nous procurent le manger directement. On s'en va directement à la sortie, où est-ce que ça se fait, là? Clic, on met notre verre dedans, là, puis on remplit nos affaires, puis on le scelle, parce qu'on dit, ah, il faut le sceller. Ouais, OK, mais peut-être que quand je vais aller au magasin, là, il va me le faire live, puis il va le sceller live. Hein? Toujours la même canne! Admettons, là, quelque chose qui pourrait, là, mettons un pot maçon, là, quelque chose qui peut se récupérer, plus à maintes reprises. Pourquoi qu'on met des sauces à spaghetti dans des pots maçons, on n'est pas capable de mettre des autres astuces d'affaires dans des pots maçons? Tout devrait être des pots maçons, c'est quoi, les pots maçons, ben, Chris, ça se lave! Ça se récupère, puis ça dure longtemps! Pas mal plus, c'est une canne qu'on utilise une minute et on la jette après. Wow! Il y en a combien de monde qui en mange des cannes? Calculez! Ça fait peur! Je veux même pas le calculer parce que ça fait trop peur, man.
Ça fait trop peur. Ça, c'est rien qu'un souper, t'as une canne de plastique, un ci, un ça. Juste pour un repas, t'en as trois par jour, on est 3 millions, imagine! Fais l'élastique calcul. Ça se retrouve tout, partout en plus, pas juste à une place. Non, ça se retrouve partout. Fait que là, il faut arrêter comme genre juste d'en mettre ça partout. C'est dans tout, excusez. C'est comme de l'huile. On devrait juste avoir un abreuvoir, un clic-clac. Hein? On fait ça déjà avec des bouteilles d'eau. Pourquoi pas avec des bouteilles d'huile, mais au centre commercial? En gros! Chris, format gros, pourquoi des tablettes de merde au lieu d'un gros cylindre de style macaroni cheese, macaroni, spaghetti? On s'en va là avec notre pot. Des années, ça fait 25 ans, je remplis mon pot. Le même, esti! C'est qui le câble, câlisse? À quoi vous pensez? Chris, vous pensez-tu? Ah non, on est pogné dans le trafic tout le temps dans le même chemin. Port avant, port après, Chris. Mais Chris, t'as pas dedans, viens pas chialer si t'es dedans. Ok, parfait, merci, bonjour. Les sacs, hein, ça, c'est fou, man. Les astis de sacs à sandwich, là. T'as pas wear, man. Il va falloir plus distribuer. C'est peut-être en plastique, mais il est réutilisable, pis il est lavable, petit. Ça, non, il y a une fois trop paresseux pour le mettre, pis c'est vrai que c'est dégueu à laver. Parfait, on s'entend. T'sais, aux petits crises de plat de plastique, ça vous tenterait-tu de mettre vos crises de sandwich dedans? Hein, tout qu'est-ce que tu mets là-dedans, là, ça se peut se mettre dans un plat de plastique! Pourquoi en vendre encore? Je suis capable, j'en ai acheté, je le regrette. Regarde, elle est encore pleine. Et je me suis dit, aïe, je commencerai pas à faire ça tout le temps, toute ma vie. Mais non, fait que déjà, je suis en train de penser à une autre alternative. Parce que moi, je trouve que c'est pas normal que moi, je jette tout ça. Je jette tout ça dans les poubelles, c'est pas normal. Fait que moi, je le fais pas, tu comprends-tu? Moi, on fait d'autres choses. Bon, parfait, on continue. Check bien ça, je viens d'avoir une idée. Le linge, il y en a trop, ok? On envoie ça à la cabane pis tout. Il y en a partout, vous voyez, il y en a vraiment beaucoup. On a le choix, ah, sérieux, c'est en train de débrouiller, on t'envoie là-bas, c'est tout mon linge, le monde y avait de l'argent, puis on laissait ça. Mais tout ça pour dire que, tu sais, les designers, les ci, les ça, ils devraient juste plus designer le linge qui est déjà là, l'arranger. Tu sais, moi, des fois, mettons, j'ai un trou, ok? J'avais un trou. Non, excuse, j'avais une tache magique. Là, j'ai derrière, une tache magique, la jean est pâle. Hey, il y a des trous maintenant. Parfait, fallait comme si c'était le trou. Parfait. Là, je venais de récupérer une paire de jeans que je m'en allais acheter parce qu'elle avait des taches. Puis, tu sais, comme la tache, elle s'en allait pas. Mais non. Ben, j'avais juste à faire le style, hein, un petit peu graffiné. Mais voilà, hey, j'ai une autre paire de jeans. Mais en plus, c'est à mode, aïe, aïe. Fait que, tu sais, comme, mettons, moi, je suis en l'air de trouver. Mais, tu sais, mettons, c'est un designer, il pas, hein, je peux faire ça, 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 coupe la manche, fais ça de même, rajoute ça. Qu'est-ce que je suis en l'air devenu hot? C'est ça. C'est ça pour faire, là. Maintenant, faut arrêter, là. On est rendu au bout. Donc, on a fait le tour, là. On a tout inventé, tout est déjà là. En quantité industrielle, ça vous tente pas d'avoir juste un distributeur, puis je m'en aille tout avec mes mêmes boîtes personnalisées. À moi, dans mon magasin, je le remplis, je retourne des loups pendant les 25 prochaines années. Sinon là, je suis obligée de l'acheter à toutes les crises de mois, mettons, que je passe le travail. OK? C'est qui le cas, s'il vous plaît? Faites les affaires qu'on puisse se réapprovisionner avec les mêmes contenants, les mêmes gobelets, les mêmes verres. Pourquoi?